S'abonner, comment vous allez? Aujourd'hui, je vais vous montrer une astuce pour finir avec les odeurs vaginales. Les odeurs vaginales, c'est pas intéressant, mes chéris. Vous voyez l'eau là, il y a déjà congoli dedans. Vous allez ajouter ici dans ce truc, il y a un mélange de Jeka, il y a poivron. Il y a un mélange de Jeka, il y a poivron, c'est ça. Poivron, c'est ça. Il y a les graines de Jeka, c'est ça. Il y a le guéni. Le guéni, c'est ça. Il y a les clous de girofle. Je vous montre. Les clous de girofle. Donc, vous faites ce mélange. Vous laissez bouillir pendant 15 à 20 minutes. Pendant 15 à 20 minutes. Donc, nous allons attendre 15 minutes. Pendant, nous allons mélanger ces deux ingrédients. Nous allons mélanger le beurre de karité avec la poudre de congoli. La poudre de congoli, c'est très puissant contre les odeurs. Donc, mélangeons ça. Donc, après avoir mélangé, on obtient cette pâte-là. Maintenant, nous allons former des ovules avec cette pâte-là. Regardez bien. Maintenant, nous allons prendre un sachet et former nos ovules dedans. Donc, suivez-moi. Comme je l'ai fait là, vous formez 7 petites ovules, comme ça. 7 petites ovules. Ces ovules, vous allez mettre ça au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Là, les 15 minutes sont passées. On va filtrer maintenant notre eau. Donc, voilà, quand on fait ce qu'on a. Maintenant, vous allez prendre l'eau là. Vous allez prendre une partie et boire matin et soir. Et vous allez vous purger avec 3 fois par semaine. Les ovules, chaque soir, vous insérez une ovule dans votre vagin. Chaque soir, une ovule. Après une semaine, venez ici témoigner. Vous n'aurez